Nda, a signifié seulement. Nda, a signifié du courage. Le tap ça, ça signifie perdre la valeur financière ou bien perdre la valeur sur le marché. On peut dire, mais tu t'as si, ne sais pas ça. Pour vouloir dire, les pommes sont en train de perdre leur valeur sur le marché. Donc, le tap ça, c'est ça. L'être, c'est la lumière ou bien l'électricité. L'être, le zabanse, ça signifie se frayer un chemin. Le zabanse, tout, c'est la colère. Azuiti, c'est le massacre. Ndegen kesanga, c'est l'arabe. Nkesanga, c'est la oussa. Le loi, ça signifie verrouiller ou bloquer. Ndengti, c'est le décret. À ne pas confondre ceci avec le décret qui est l'unité de mesure. Ceci n'est pas l'unité qui est l'unité de mesure. Ndengti, c'est le décret. En français, on pourrait par exemple dire son degré de méchanceté est grave. En yemba, si on veut traduire, on doit utiliser plutôt ce ndengti. Nkwone, ça signifie jusqu'à. Alio, c'est le combat. Lelio, ça signifie combattre. Ndende, c'est le ça signifie vulgaire. Le ngak, ça signifie interroger. Angak, c'est l'interrogation. Tetia, ça signifie en excès ou beaucoup trop. Tetia.